Alors, nous sommes repartis. Donc, sur Shadowfall, où en étions-nous? Chapitre 6, 5, a priori, non, je sais pas quoi. Chapitre 6, en tout cas, ça c'est sûr. 6,5N, je sais pas ce que ça veut dire, fait équipe. Echo et Kellan arrivent dans la base du commandant de commande des attaques. Mais les Helgas sont partout. Et oui, le chemin vers Vecta City reste incertain. Voilà. Donc, nous allons continuer de suite. Relançons la sauvegarde. Continue. J'ai mes cheveux qui me gênent. Voilà, c'est mieux. Je commence à avoir les cheveux un peu longs, mais j'ai trop la flemme d'aller chez le coiffeur. C'est la corvée. Alors, c'est fort, ça. Ça, fessée, la fessée, c'est quelque chose qui est censuré sur Twitch. C'est pas mal, pas mal. Donc, fessée, c'est un mot vulgaire à travers... Et donc devenir très désobligeant, donc je te fais une fessée, tu vas prendre une grosse fessée, attention à la fessée, voilà, c'est quand même quelque chose de très traumatisant, justement, comme je le dis dans le texte. Très bien, alors faut que je reprenne mes bonnes habitudes, moi. Alors, désigner une cible, CL1, c'est vrai, je vais encore avoir du mal, je le sens, je sais pas pourquoi. Alors, où sont les mecs? On va avancer. Parce que donc c'est Echo qui est avec moi. Ah oui, effectivement, il y a du people. Il y a du people. Elle a repris son snipe. Donc là, je ne peux pas... Enfin, on va voir. Je vais quand même redécouvrir un petit peu l'environnement avant de me lancer, peut-être baisser là-dedans. Voir si éventuellement, ramasser l'adrénaline déjà. Ça c'est fait. C'est quoi cette arme? Qu'est-ce que j'ai comme arme, moi? Parce que donc j'ai ça. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Oui, bah forcément. Maintenir. Hop. On va prendre ça aussi, hein. Ça coûte rien. Est-ce que c'est quoi l'arme secondaire de ce truc-là? Ah oui, c'est ça. Donc je ne sais pas me servir. Voilà. Et ça, c'est le gros gun. Est-ce qu'il y a d'autres choses par ici? Non. On va aller faire le tour de l'autre côté. Parce que ça va être une salle. Enfin, quand je dis une salle, une zone assez symétrique. Ça m'en a tout l'air, effectivement. Je me suis fait voir ou pas? Non, a priori non, c'est bon. Hop, écoutez, on va. Oula, ça c'est un méchant ça. Mais ce méchant là, je vais le niquer. J'ai pas envie de me. J'ai envie de le niquer tout seul comme un grand. Voilà. Et ça, je peux le pirater. Très bien. Adrénaline, grenade. J'ai l'impression que je suis full. Qu'est-ce que c'est que son arme? Alors, essayons-la pour voir. Pas mal aussi, elle est pas mal aussi. Est-ce qu'elle a une deuxième... Alors, ok, c'est quoi ça? Recharger, donc a priori. Ah si. Une sorte de fusil à pompe, sûrement. Ouais, c'est ça. Ok. On recharge, on met les trucs. Et on rebascule en visée. Plus précise, très bien. Donc, où sont les mobs? Où sont les mobs? Là, c'en est un, ça. Sauf que je sais pas où se situent les ennemis les uns par rapport aux autres. Donc, le risque que je vais avoir. Ah, là, lui, il bouge pas quand même. Je vais quand même le niquer. Ennemi marqué. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un à côté de lui. Cible tuée. Voilà. En sachant que je peux scanner. J'ai oublié ce détail. Bon, déjà, on va se taper les petites. On va se taper les petites caméras, hein. Allez. Je suis un peu loin, c'est ça. Se rapprocher un peu. Au moins que ça serve. Au moins que ce pistolet serve. Bébé? Je pense que je suis plus le dessus. Ça y est. Faut dire un peu plus bas, je pense. Il doit avoir une hitbox un peu merdique. Plus tirer sur la base de la... Sur la base de la caméra.
Oh là là là, l'effet de lumière encore. Et d'une. Et le 2. Ok. Revenons à nos moutons. Nous pouvons monter. Est-ce que c'est bien utile? Sûrement pour avoir une meilleure vue. Une vue plus aérienne, une vue plus... Tiens, là il y a un ennemi là. Hors de portée? Comment ça hors de portée? Hors de portée, rien du tout, tiens. Toi t'es hors de portée par hasard? Voilà. Je ne sais pas encore, mais tu es déjà mort. Pour les amateurs de... Et là, je peux quand même y aller, là. Hors de portée, salaud. Salaud. Il y avait du monde encore là-haut, je pense. On va scanner un coup. Essayer de les repérer. Pas évident à repérer, a priori. Ils doivent être un peu loin. Et donc, je sais qu'il y a un mec ici. Non, voilà, là. Abat-le. Voilà, abat-le. Elle est là, hein. Autant en profiter. Elle sera pas tout le temps là. Même si, hein, je le répète, la difficulté quand même du... de ce jeu, là, c'est pas... ça va, hein. C'est pas non plus... On a vu pire, hein. Alors, désactiver le système de sécurité. Très bien. On va faire ça. Alors, est-ce que les gens vont me tomber sur le dos? A priori non, mais en tout cas il y a un point de contrôle, donc je pense que c'était l'étape suivante. Ah, ah quand même. Il y a... Ah mais c'est ça le problème, c'est que oui, j'ai une arme de merde là, que je ne peux pas changer. J'aurais bien aimé avoir une arme comme je l'avais la dernière fois. L'arme que... Hein, et avoir mon fusil à pompe. Et c'est pas possible avec ce putain de pistolet merdique. Mais merdique, hein, on peut le dire. Scannons aux alentours. Hein. Il restait bien un mec là-haut, il me semblait bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir une visu du mec là-haut? Faudrait que je recule. Peut-être que d'ici là. Voilà. Cible oh, indiquée. C'est bon. Pouf. Cible tuée. Tu es mort. C'est parti. Des choses à ramasser, de l'adrénaline, non. Là-bas, c'est quoi? De l'adrénaline encore. Que nenni, je m'en fous. Y a-t-il encore des choses à ramasser? A priori, non. On va aller faire le tour du hangar, voir s'il y a des choses. Encore une console qui ne sert à rien. J'ai l'impression qu'il faut monter, quoi qu'il arrive. Étage supérieur. Donc, nous allons faire ça. Ça, c'est une arme du mec. Ah non, c'est quoi? Des grenades explosives. Qu'est-ce que j'ai, moi? C'était des grenades à impulsion. Allez, on va faire tout péter. On est des gueudins. En termes de munitions, on est bien. Hein. Il y en a partout, partout, partout. Bon, en même temps, on est dans un camp qui semble être très militarisé. Une zone très militarisée, donc les munitions pullulent. C'est évident. Bon, en tout cas, je n'en manque pas. Pas du tout. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que... Oh là, sacré joujou, moi j'aimerais bien avoir ça là. Je peux pas monter dedans? Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Si je pouvais commander un mecha. Un mecha d'ailleurs qu'il faudrait qu'on commence à affronter parce qu'on en a vu. Oui, une sacrée Gatling. Ils ont une... Eh. Une sacrée Gatling, hein. Et que je n'ai pas vraiment affronté. Que j'ai juste esquivé à un moment donné, mais pas affronté. Donc, d'un côté, ça m'arrange, mais d'un côté, ça m'inquiète parce que je me dis que ça va arriver. Ça va arriver cette histoire. Et là, pareil, là, il y a une grosse arme. On va la prendre. Parce que je sens l'embrouille arriver. Je ne sais pas pourquoi. Salut, Joko. Et comme je sens l'embrouille arriver, on va être prévenant. Voilà. Et on va s'armer jusqu'au dents, vu que c'est une arme supplémentaire, ça. Hein, donc, ça ne me prend pas un slot d'arme classique. C'est une arme à deux mains que je pourrais poser et je retrouverai mes deux armes ensuite. Voilà. Pas d'opposition toujours pour le moment. Hein. C'est toujours donc encore plus inquiétant. C'est le calme avant la tempête. Hein. Et il y a des armes partout, partout, partout. Donc j'ai l'impression qu'on va se... Cette zone
Je m'avance peut-être un peu, hein. Mais j'ai l'impression que cette zone va être une zone de fight avec un gros boss. C'est bien large, c'est tout comme il faut. Il y a du mecha là, à disposition, donc il y a bien un mecha qui va sortir de quelque part. Voilà. Et je serais bien déçu qu'il n'y en ait pas parce qu'à un moment donné, il faut quand même que ça pète un peu, hein. Nous rentrons à l'intérieur, donc ça. Ah ouais. On va aller au truc de commande là, a priori. Encore des munitions. Ah ben non. Ça va être. Je sens que ça va être la. Ça va être. Ah, je l'avais pas vu. On va le tuer. On peut pas le tuer. Ah, parce que j'ai ça. Voilà. Reprenons ma Gatling. Bien. Et donc, elle est dans la salle des commandes. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Ils sont là d'une seconde à l'autre. Ah, ben, elle est là. L'antenne est HS. Nous devons rétablir le courant. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. J'en ai vu un au fond de la pièce. Ouais, le condensateur, je l'ai vu aussi. C'est des grenades explosives, ça. Ouais, donc j'en ai déjà. Pas grave, t'as les VOD, c'est pas grave. Sinon, au pire. Si ça t'intéresse, hein, bien entendu, hein, c'est pas une obligation du tout. Hein. Allez, retirez le condensateur. Mais par contre, c'est vrai que là, je vais avoir l'ensemble du solo disponible en visionnage ensuite. Et je mets ça où, madame? Ah, je vais à la tour, d'accord. Alors la tour. Où c'est que c'est? C'est là-bas. Très bien. Donc il faut le condensateur. On y va. On sent la musique de tension qui vient de démarrer. Ah bah voilà. Voilà. Je savais bien que ça allait être la merde. Bon. Et voilà le mecha. L'autre côté ça va être la même. Il y en a de chaque côté ou pas? Non. Alors le condensateur. Alors je pense qu'il va falloir quand même nettoyer avant parce que. Le truc. Dans cette histoire, c'est que je vais me balader avec mon condensateur comme un con. Et je vais me faire défoncer. Donc voilà, là il y a du monde qui arrive. Ah oui! Oh putain, oui! Bing! Ok, donc maintenant on va. Effectivement, donc comme je l'avais un peu prévu, il y a de la munition partout, il y a des armes partout, c'est pas juste pour faire joli. C'est parce que on va être attaqué dans tous les sens. Nous devons rétablir le courant. Tu vas devoir placer un nouveau condensateur dans l'antenne. J'en ai vu un au fond de la pièce. C'est le condensateur extérieur, à la base de la tour. Oui, bah très bien. On va retirer, je pense que en retirant le condensateur, on va activer pas la cutscene, mais la suite des événements. Ouais, voilà. Et si je fonce? Parce que je vais peut-être me faire chier pour pas grand chose. Alors que là. Je vais peut-être pouvoir foncer là où je veux. Ah, déjà là. Voilà, placer le condensateur. Aïe, 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 aïe. Très mal, bien entendu. En pleine tête. Ensuite, madame, qu'est-ce qu'il faut faire? Survivre à l'attaque. Voilà, donc c'est très. Le message est clair. Aïe, il y avait du monde là. Je continue à me protéger. Je pensais que j'avais scanné, mais en fait, il y a du monde qui est arrivé entre temps. Voilà. Une grenade, elle est passée à côté. Voilà. Ça, c'est voilà. C'est le genre de truc que j'aime bien dans Killzone normalement. C'est ce genre de passage où. Les drones, où sont les drones? D'accord. Donc j'ai encore une aide, hein. Qu'à cela ne tienne. La grenade, elle est encore très mal visée.
Mais c'est le méca qui va poser problème, je pense, à un moment donné. Quoique vu les tirs que ça fait, à mon avis, ça va être efficace là-dessus aussi, hein. Voilà. Ça m'a l'air bien efficace. L'adrénaline, franchement, je l'utilise pas, hein. C'est pas quelque chose que j'utilise. On va l'utiliser là, mais c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise. Ça ralentit, mais ça me ralentit moi aussi, quoi, je trouve. Donc c'est vraiment pas agréable. Survivre à l'attaque, donc je pense qu'il faut finir avec toutes les vagues d'ennemis, hein. Voilà, je suis pas vraiment en danger là, hein. Enfin, peut-être que je suis au bon endroit, j'en sais rien, mais enfin. Là, je sors, je vais me faire niquer. Ok, je vais remonter avec elle. Ah, je ne peux pas. Très bien. Tout ça se passe très bien. Finalement, j'étais pas mal où j'étais, parce que j'étais mieux. J'avais une meilleure couverture. Toi, tu vas crever. Voilà, direct. Ah non, ça c'est un drone. C'est un pote, en fait. D'accord, ça c'est mon pote. Voilà. Où est mon reticule? Mais voilà. Allez, défonce-le lui. Ça lui fait à peine mal, mais bon, quand même, c'est toujours mieux que rien. Alors, lui, il est mort. Non, il est pas mort. Là, ça a dû aller. Allez, crève. Ah, mais j'ai de la grenade aussi, faut pas que j'oublie. Ah, il a bien pété celui-là. Est-ce que je peux le lancer aussi loin que ça? Son couille. Et on va se débarrasser maintenant de toute la marmaille. Donc je vais où? 35 mètres? Non, c'est pas. Si, c'est elle. Ok. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, madame? Madame? Allez, c'est maintenant ou jamais. D'accord. Monte dans ce attaque et Je savais qu'à un moment donné, on allait monter dedans. Tu dois convaincre Sinclair de faire marche arrière. Istad, Massar. Donne-moi 48 heures, Massar sera morte. Et sans elle, Stal est fini. Il ne lui restera qu'une planète morte. On peut éviter la guerre, tu le sais. Donc, comme je l'avais un peu pressenti, entre différentes attaques dans la zone qui était vraiment une zone destinée à se faire attaquer dans tous les sens et finalement sans aucune difficulté malgré la difficulté hard, hein, je le rappelle. Le deuxième pressentiment, c'était qu'on allait monter dans un mecha et voilà qui est fait. Donc c'est agréable, parce que on l'attendait. C'est toujours agréable de monter dans un mecha dans un jeu. Alors après, à voir si c'est juste une queue de scène ou si on va vraiment l'utiliser, ça c'est la question. Mais par contre, le bémol à tout ça, c'est que tout est un peu prévisible, hein, n'est-ce pas, hein.
Donc, dommage. Dommage. Allons-y. Tu es l'un des premiers à voyager sur un de ces engins. Ne sois pas le dernier. D'accord. The first one, but not the last. Please. Comment ça marche? Non, je dirige rien du tout en fait. C'est ça le truc. Je vise pas. Ça va peut-être venir, mais pour le moment, c'est encore. Je pose la manette et je regarde quoi. Hein. Ouais. Ouais. D'accord, donc j'ai cassé le joujou. Alors, ou je suis très mauvais pilote, ou c'est un engin de merde. Vraiment. La frontière est redevant, d'accord. Pourquoi il y a la guerre ou il n'y a pas la guerre là? Ah, on est dans la zone neutre là, entre... Aïe. Ah oui, ça me tient dessus quand même. Il y a du sniper. Non, je veux juste regarder un peu l'environnement quand même. Hein. D'accord, donc... On est dans le No Man's Land. Mais je n'ai pas d'arme. Haha. D'accord. Je suis à poil. Nous allons passer par là. J'aime bien passer par en dessous dans ce genre de... Ouh, ça se fight. Allez, passons dans la tranchée. Je sais pas si je vais me faire toucher par qui que ce soit, mais... Ils ont l'air d'être très occupés entre eux. Donc ça m'arrange. Ne tirez pas. Bah oui, s'il vous plaît. Oh. Ok. Bien. Nous avons donc passé le No Man's Land, enfin No Man's Land, oui c'est un peu ça, enfin le champ de guerre entre les deux forces ennemies. Par où allons-nous? Comme nous sommes à poil, par là, tout droit. Eh ben c'est là, nous y sommes. Nous revoilà dans notre cité départ. Nous avons rejoint la frontière, nous sommes repassés de l'autre côté. Un univers beaucoup plus coloré, n'est-ce pas hein? Et donc on a fini, à mon avis, le chapitre 6. Un peu moumou du genou quand même. Retirer, t'es devenu complètement fou. Attention, Lucas. La confiance se perd facilement dans notre métier. Oh, ça y est, tu vas pas faire du chantage affectif non plus. Hein. À m'échapper. Sans elle, je serais mort. Ouais, tu vois. De son côté plutôt que du mien. Ça y est, t'es vexé. Elle t'a dit qu'elle allait tuer Massar, alors qu'on en a besoin. La Blacken, Vissari, Stahl, ils sont tous pareils. Ils ont le même objectif. Nous anéantir. Ça a toujours été le cas. Tu le sais mieux que quiconque. Mon Dieu, ton père y a laissé la... Oh, ça y est. On me sort les violons, mon père est mort. Oh là 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 là. Ils ne sont pas innocents. Ils sont complices, tous. Peut taré lui, non? On a une opportunité. On récupère l'arme et Massar. Elle s'en est déjà servie contre les Hellcast. Elle peut recommencer. Vissari ne pourra plus nous menacer. Plus jamais. On pourra enfin reprendre notre monde. Allez, il va nous faire un coup de... Les infos que tu as eues sur la Black Hell, réalité augmentée, là. Il se la pète avec ça. Voilà, ça commence là. Je veux que tu l'investisses. Trouve l'arme et Massar. Ne laisse surtout pas cet hybride te stopper. Prouve-moi que je peux toujours compter sur toi, Lucas. Ouais, mais entre un vieux noir... Et une jeune, moi mon choix est vite fait hein. Bien. Après bon c'est des goûts hein, chacun ses goûts hein. Nous voici dans un espace. Ah j'ai des jambes, c'est bon.
Alors, donc nous revoici dans un espace en apesanteur. Est-ce que... Normalement, on pouvait... L'explosion a dû être violente. Voilà, accélérer, L3. Effectivement, on peut aller plus vite. Alors, par où devons-nous nous diriger? Ah, il y a un petit point là, ça y est. C'est donc là-bas, allez, on y va. J'aime bien ça par contre, c'est agréable, le côté tout en apesanteur. Très apaisant. Très apaisant, ma foi. Entrer dans l'anneau de décompression. On dirait une proposition indécente. Entrer dans l'anneau de décompression. Hop. J'ai buté, chef. Allez. Ok, c'est bon, c'est passé. Voici la porte. Nous allons y arriver. Si j'accélère, ça y est, on va aller plus vite quand même. Voilà. Très bien, allons-y. Utilisez l'anneau de décompression. Utilisons l'anneau. Hop, bonjour. Hop, toc toc. Quelqu'un? Bien. Donc là, je suis plus en mode apesanteur. Et donc nous allons avancer, j'imagine. Qu'est-ce qu'on a quand même? Donc on retombe notre arme de tout à l'heure. Et ça, c'est cool. C'est plutôt pas mal. Surtout que là, par contre, je vais normalement pouvoir jeter mon flingue pour prendre une arme un peu mieux, comme un fusil à pompe, pour pas le nommer. Voilà. Nous voici donc dans une zone de vaisseau. Oh là, je crois que j'ai loupé une marche. Pardon. Étonnant ce passage. On pourrait penser que c'est pas par là qu'il faut passer, mais. Allez, on recommence. Les mêmes joueurs jouent encore. Hop. Ok. Et ok. Donc là, j'ai retrouvé mon drone, j'imagine. Oui, j'ai mon drone qui est là. Pourquoi il me propose de le... Il me propose de faire feu là. Qu'est-ce qu'il a vu? Bon, alors je suis là, mais maintenant, faut que je continue à descendre ou quoi là? Ah oui, peut-être là-bas. Oui. Hop. Effectivement, ça va s'ouvrir ça. Ouais, je vais pirater la console, c'est bon. C'est bien par là, très bien, bah allons-y. Piratons. Serrure neutralisée. Oh là là. Abrams, nous en voici. Tu devrais arriver dans le conduit d'entretien à 1-8. C'est le chemin le plus rapide vers les labos inférieurs. Très bien. Reçois 1-8. Vous reçois 5 sur 5. Confirme que tu te diriges vers les labos inférieurs. Je sais ce que je fais. Roger. Contacte-moi quand tu auras localisé Massar. Pulsar terminé. Pulsar terminé. Ok, 1-8 terminé. Plonger dans le vide et atterrir sans dommage. Donc ça veut dire implicitement qu'il peut y avoir des dommages. Oh merde. Très bien. Le seul moyen d'accéder à l'ordinateur est la chute dans le vide. Eh ben, si on n'a pas le choix, c'est qu'on va pas mourir. Allez hop, je tente. Ah si, faut peut-être éviter. Je pensais atterrir sur la passerelle là pour pouvoir avancer, mais en fait non, faut peut-être l'éviter. Éviter et non l'éviter. Ou alors il faut l'éviter. Oh merde. Oh merde. Ok. Là, ça va être un truc comme ça. On va rentrer dans une zone de champ. L'angle d'inclinaison, voilà. Donc là, faut pas se taper. Ah, j'ai touché le bord. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, on recommence. Donc, faut bien viser. Ah, ok, on arrive ici, d'accord. Ils sont gentils.
Ça va être tendu. C'est bon, ça passe. Ah oui, c'est une sacrée chute, hein. Pas avoir le vertige, mais alors, mais la question c'est comment je m'arrête. C'est ça. Ouh la vache. Ouh là, là c'est serré. Oh, c'était tendu. Bon, a priori, ça se fait tout seul. Ah voilà, avec un pouf. J'ai un pouf gonflable. Ça va, ça amortit bien la chute, ça, hein. Bien efficace. Et ça se désagrège. J'aimerais bien savoir en quel matériau c'est fichu, ce truc-là, hein. On n'a plus le progrès. Ok. Donc maintenant qu'on est là, je vais voir un peu. Tomber tout là-haut. Ok. Faisons le tour. Ah. Il y aurait du monde. En même temps, oui, je vais pas. J'imagine que je vais tomber sur des gens. Tiens. Il y a ça qui se met en surbrillance en dessous. Là, là, les voilà les gens. Là, j'en ai vu un là. Voilà. Ok. On va donc. Ah, voilà. Ok. Très bien. Faisons le tour quand même, histoire de voir s'il n'y a pas une petite arme à ramasser. Ça serait quand même le. Ça serait pas mal. Genre, toujours pour pas le nommer. Un petit fusil à pompe qui traînerait dans les parages, négligemment laissé, abandonné. Ça aurait été bon. Non, il n'y a pas. Là-bas non plus. Non, a priori non. De toute façon, si je scanne, normalement je devrais les voir, mais je les vois pas. Donc ça veut dire que je suis pas à poil, mais que je n'ai pas d'autre arme que celle que j'ai déjà. Alors, pourquoi c'est en ce. Ah. Il y a plein de petites bestioles. Elles peuvent monter. Mais sauf si je fais ça, là, peut-être que ça peut péter. Voilà. J'ai l'impression que ça marche bien, ça, non? Elle va me péter à la gueule, cette conne. C'est bon. En fait, elle. Ah! Elle sort en boucle. Elles sortent en boucle du truc. Ok, donc c'est une zone de spawn d'araignées. Un nid. On pourrait appeler ça un. Non, non, pas d'adrénaline là, quand même. Pas déconner. Hein. Pas déconner. Bon, bah tu me tues là. Ah voilà. Allez. Tout de même. Tout de même. Ok, on y retourne. Donc c'est pour ça que c'est en surbrillance. Car ce sont donc des méchants. Ok. J'ai pas la vue là-dessus. On va devoir descendre. De toute façon, j'ai l'impression que c'est par là qu'il faut aller, hein. Ouais, c'est ça. Alors, les dégâts de chute, et méfions-nous des dégâts de chute. Une caméra. Allez, en dessous, je peux pas atteindre. Par où je vais descendre ? Marrant ça. Ah si si quand même, elles arrivent à bien monter. Oula, je suis tombé. Est-ce que je peux descendre à votre avis là? C'est la bonne question. Sauter déjà de l'autre côté là, voilà, je pense que là on est mieux. Ok. Je vais descendre là. Je vais péter ça.
Merde. Il y en a un de chaque côté en plus. Ah mais je peux le pirater. Piraton. Ça je suis moins emmerdé. Ah merde. C'est pas de fort hein. Ok. Donc, si je peux les pirater, ça devient quand même relativement easy. J'ai plus ça qui peut m'arriver dans le dos comme un con. C'était ça ma hantise. Ce que je redoutais, c'était d'avoir ça qui. Des petites araignées à la con qui te pop partout. Alors lui, il m'attend, lui. Il m'attend. Bonjour. Comment passons-nous? Il y aurait une zone pour pouvoir descendre encore. Qu'est-ce que je n'aurais pas trouvé? Ah, si, il y a un... Il y a ça. Non? Si. Bien sûr, je vais pas rester devant la porte. Hein. Voilà, donc là je reste devant la porte, comme je disais. Vache, il est costaud, qu'est-ce qu'il a lui? Il a une sorte de bouclier, non? J'ai l'impression que c'est un bouclier, hein, son histoire là. Ok. Donc, nouveau pattern d'ennemi, on va dire. Et je reviens ici. Mais maintenant que je sais que c'est piratable, ça va aller bien plus vite. Bien plus vite. Surtout que. Merde, j'ai loupé l'entrée là. Où est-ce qu'elle est? Surtout que. Je pense pas me faire détecter. Donc ça va être tout bénef. On va pirater chaque truc. Ça, on sera pas emmerdé par ça. Voilà, et d'un. L'autre, il est où là? J'avais accès. Et de deux. C'est bon. Et de 3. Nous pouvons commencer, je pense, à descendre sans crainte. Sans crainte, mais sans glisser quand même. Voilà. Ah, il y avait un truc. Monter, ah oui. Monter, c'est-à-dire on monte où? D'accord. Il n'y a rien de vraiment intéressant ici. On va descendre. Ah merde, la caméra. Il est vrai. Sauf que la caméra, je vais la contourner et je vais passer en dessous. Voilà. Et donc lui, il sait pas que je suis là normalement. Personne ne sait que. Non, il est là. D'accord. Donc il fait sa ronde. Tout à l'heure, il la faisait pas. On va attendre un peu. Voilà, on va attendre. Là, on va faire accéder. Est-ce qu'on peut accéder? Accéder. Et on va. J'ai l'impression que je l'ai pas touché. Ça c'est fait. Bien, on progresse. Qu'avons-nous dans ce truc? C'est des labos a priori, je ne sais quoi. Alors, une console par ici, une console à pirater, j'imagine. Oui, pas très en même temps, faut pas que ça gêne non plus la visée et la visibilité, mais les surimpressions d'icônes sur le décor, etc., font que quand on n'est pas l'habitude, hein, on peut chercher longtemps avant de voir l'interaction avec le décor. Hein.
Particulier pour les drones, si on sait pas à quoi servent les consoles, enfin quelle gueule elles ont. Maintenant ça va un peu mieux, mais au tout début c'est vrai qu'il y a, un temps d'adaptation. Alors tu me l'ouvres. Ok, ça faut que je m'approche. Ah bah c'est ça, d'accord. Donc ce que j'ai fait c'était la bonne méthode, c'est étourdir pour casser les boucliers énergétiques. Très bien. Donc là nous avons un mec. Là, j'ai vraiment l'impression d'être accroupi en permanence. Parce qu'il se déplace accroupi ou quoi. Peut-être qu'il peut-être court sur pattes. Hein. Donc là, ce serait pas mal que je puisse descendre. Je vais pas pouvoir. Merde. Allez, allez. Voilà. Donc lui, il monte pas. Non, on va monter pour lui. Le scan est toujours très efficace, ce qu'on peut voir. Allez, allez. Et hop, une nuque brisée, une. Donc là, hein, ça devient, c'est quand même encore très easy peasy. Rien à ramasser, pas de. C'est quoi comme arme ça? On va quand même prendre ça, c'est quand même mieux que. C'est tout de même mieux que mon petit flingue. Oh, je pète tout, moi je fais un boucan et, et voilà, l'IA ne vient même pas voir si, ce qui se passe au-dessus, quoi. Hein. Pas grave. Encore une console. Accédons à la console. Je peux y sauter dessus, ça, non? Normalement, je peux y sauter dessus. Voilà. C'est fait pour... Chose qu'on utilise très peu aussi dans le jeu, hein. C'est très rare, enfin ou moi je l'ai pas utilisé ou j'ai pas pensé parce qu'il y avait d'autres moyens de le faire. Mais on n'incite pas à vraiment à assassiner les gens comme ça. Pas du tout. Partie un peu plus éclairée, donc là les scans sont un peu moins évidents. Est-ce que je peux pirater de l'autre côté? Non. Ok, ça c'est bon. On va se débarrasser des trucs de mine pour être emmerdé par les araignées. C'est petit. Là j'ai pas la vision là. J'ai pas la vision du pour le piratage. Il y a de l'adrénaline ici, mais je suis full. Progressons par ici. Sans se faire voir. Ah, il y en avait une au-dessus. D'accord. Voilà. Ça n'a attiré personne, malheureusement. Je reste donc assez tranquille. C'est pareil là, ça presse derrière. Là. Ah non, c'est là. C'est bon. Alors les araignées sont quand même sorties. On va voir si elles viennent jusqu'ici. A priori, oui. Boum. Pas de dégâts apparents. Boum. En reste-t-il? Il n'en reste pas. Très bien. Là donc il y a un mec ici. Un mec en contrebas il me semble de ce que j'ai pu voir. Est-ce que ça s'ouvre ici? Ça a pas l'air de s'ouvrir. La loupiote est rouge. Donc on est obligé d'avancer par ici mais c'est un peu... Je vais me faire voir si je passe par là.
je vais plutôt faire le tour de l'autre côté. Ah, et je peux descendre aussi, chose que je n'ai pas encore fait. Nous avons de la munition. Alors, un petit fusil à pompe. Non. Tant pis. Mais peut-être que de là, je vais pouvoir... Presque. Et là, si je saute là... Ah si, c'est bon. Hey. Il a rien remarqué, le mec. Il a vu que dalle. Donc là, j'ai un mec là-bas. On va voir si on peut s'en occuper. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à rayer dans le coin, là? Là, il y en a un là-bas. Est-ce qu'il peut me voir d'ici? Ah merde! Ah, je pensais que c'était une fenêtre ouverte, moi. Comme un con, j'ai cru qu'il y avait une ouverture. Allez. Quel boulet! Alors là, je suis légèrement coincé, ouais. Bon, allez, réanimons-nous. De toute façon, il y a de l'adrénaline partout. On n'est jamais à court d'adrénaline. Aïe. Merde, il y a du monde là-haut, effectivement. Je vais peut-être crever quand même. Non, ça a l'air d'aller. J'ai pu m'en sortir. Bon, par contre, tout le monde est venu. Donc, on va reprendre de l'adrénaline ici. Voilà. Ah. Ok, je suis mort. Donc, faut y aller quand même mollo. C'est une zone où on peut pas trop se faire repérer. Donc contrairement au début où je pensais surtout que on était quand même dans l'affrontement direct. Alors allez, on recommence. On était dans l'affrontement direct, là on est comme dans une zone où faut y aller un peu plus mollo, surtout qu'en plus ils ont le bouclier, donc si on peut pas leur péter le bouclier avec le drone, c'est plus compliqué il semblerait. Donc où est-ce qu'ils m'ont remis? Ok, ils m'ont remis là. Très bien. Hop, ça c'est toujours classe. On va s'occuper des petites merdouilles d'araignées ici et là-haut après. Maintenant je sais qu'il y en a là-haut. C'est fait. Voilà, là c'est pareil. Chose de fait aussi. Ensuite, là. Le but. Ça marche, c'est parti. Ah, il a repéré le drone. Alors que tout à l'heure, il l'avait pas repéré. On va faire l'autre qui est ici. Normalement, on peut monter. Comment j'étais monté, moi? Hop. Donc, c'était pas ça qu'il fallait faire. Tout à l'heure, j'étais monté sur un bout de pixel et ça me permettait d'accéder au truc. Et là, j'ai chu. Ah, c'est pas grave. On est juste là. Maintenant qu'on connaît un peu le contexte du truc, on va peut aller plus vite quand même. Voilà. Idem de l'autre côté. Ensuite, donc normalement je peux avoir la vision là. Ah, je l'avais. Ok, là voilà. Donc, ça c'est bon. On va remonter et je pense qu'on peut. Alors, j'ai pas pris son. Si j'avais pris l'arme du mec, donc ça c'est bon. Passer là maintenant sans trop de problème, on peut passer sur la passerelle de l'autre côté.
peut-être arriver. Ah merde, c'est fermé aussi. On peut monter? Non, on peut pas monter. Bien, d'accord. En sachant que j'ai le grappin, c'est pourquoi que j'oublie ça. J'aurais tendance à l'oublier. Là, je vais me faire voir si je rentre par là. Et donc la zone, il faut aller juste de l'autre côté, quoi. En face, pile poil en face. On peut rentrer normalement là. Hein. On peut rentrer hein, parce qu'il y a un truc à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est moi qui sais pas ouvrir la porte ou c'est parce qu'il faut rentrer par un autre chemin? On va aller vérifier. Parce que je vois pas d'autre entrée. Ah si, il y a une échelle là-bas. Tenant. Mais bon, on va quand même progresser par le bas. Donc là-bas, il y a un mec. C'est le mec d'au-dessus qui m'a vu. En plus, là, il y a des petites loupiottes rouges sur les containers. On a l'impression que c'est les... C'est lui, là. Ah ouais, il me voit à travers le grillage, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Un truc d'adrénaline. Donc là, il y a lui. Là, il y a ça. Est-ce que je peux d'ici? Pas vraiment. Ok, on est en mode un peu plus infiltration. C'est pas désagréable. Il y en a encore un là. C'est pas désagréable. Merde. Eh merde. J'ai détecté trop loin le truc. Il peut travailler, on peut vers la vitre. Ah, ils font mal, hein. Ils font mal. Ah, le bouclier se re... D'accord. Ils font mal, hein. Ils font mal, ceux-là. Beaucoup plus que les autres. Il serait temps, j'entends dire, il serait temps. Pas vraiment. Ok, il y en a un autre là-bas. Ils ont leur bouclier, vu qu'ils sont un peu plus rouges que les autres. On va grimper là-haut. On va les laisser venir. Ils sont un peu loin. Ils sont avec le bouclier. Je peux pas les taper vraiment de loin. On va les laisser approcher peinard.
Tiens, ton bouclier là. On a foutre. Ok. Et donc l'autre là-bas. Comment rentrons-nous là-dedans? Il y a un passage sur le côté ou quoi? Ah, faut monter, ouais, c'est bien ça. Faut faire le tour. Ça se pète pas. Enfin, je dis ça, mais non, c'est même pas sûr. Là, il y a un truc. Donc, on va pas tomber comme un con. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a plus qu'à désamorcer ça là-bas, là. Et on est peinard. Un trou, ça, ou quoi? C'est une vitre. Ok. Que l'on meurt pas bêtement en tombant dans un trou, hein. Mais ce qui m'étonne, c'est cette zone là, là que je... C'est vraiment chelou. Alors à moins qu'il faille monter et escalader, c'est peut-être ça l'idée. Ils veulent que qu'on se fasse chier à monter, comme ça. Pourquoi? Pour redescendre là? Bah non. Et non. Non, je vais pas m'emmerder. Je m'aperçois que ça on peut défourailler, hein. Donc hein, la filtration mon cul. On peut juste défourailler peinard. Voilà. Hop. On va juste se débarrasser des petites merdouilles là qui peuvent nous gêner. Voilà. Là c'est pareil. Là c'est pareil. Est-ce que ça a rameuté des gens? Pas sûr. Même pas, j'ai pas l'impression. Ah si, ça, ça a bougé un peu là-bas, ça bouge. Bien, bien, venez, venez. Que j'aille pas vous chercher là. Ok, en voilà un. Je suis déjà avec. T'as commencé. Comment les trucs à rebondir dans tous les sens. Eh, viens des, viens des. Tirez sur son flanc. Oh, venez là. Je vais pas venir vous chercher quand même. Salaud. Ils se barrent à l'autre bout de la salle, quoi. Alors avec leur bouclier, merci, quoi. Il est pas mort. Alors lui s'il descend pas, il est emmerdé. Ok. On va se
c'était un pas, c'est du dernier, c'est le dernier. Ouais, a priori oui. Voilà. Ok, donc là on va pas faire le kéké à vouloir faire les acrobates, hein. On va tout bêtement désarmer ça et désarmer l'autre qui est là-bas. Si le combat continue par ici, au moins. Allez, j'ai pas la vue là. Ça y est. Je l'ai. Et on va avancer. Crac. En plein dans la jugulaire. Où sont les autres? Là, il y en a un là. Ah, il y en a là. C'est vraiment simple. Il n'y a vraiment pas de difficulté majeure. Ah, t'aurais pas dû essayer de descendre. Bon, surtout quand on connaît, mais il y a des fois, même quand on connaît. On passe pas, hein. Là, si, y a pas de souci. Les portes s'ouvrent toujours pas. La tourelle. Est-ce qu'on peut la pirater, la tourelle? A priori, on peut pas. On peut la buter. Pas sûr. Si, on peut la buter. On va reprendre. Oulala, ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Je me dis putain, quand je l'ai fait, je me dis putain, mais je vais tomber dans le vide, ça se trouve. Ok, donc il me redonne pas de munitions comme ça. Non plus aussi, il m'en a donné un peu. Ok. Donc. Continuons. Voilà, je refais l'acrobate juste pour passer là pour passer l'autre côté. Là il me semble qu'il n'y a plus d'ennemis. Hein. Voilà. Monter, je pense. Non, pas remonter là-haut là. Où est-ce qu'il est le? Ah, ils sont. Ah, d'accord. Faut rentrer dans cette zone-là. Alors, pour ce faire, comment faisons-nous? Quoi, ça veut dire que ça va ouvrir les portes là ou quoi? Non, toujours pas, hein. Haha. Ok, une petite énigme. Ouvrir les portes de la trappe. Facultatif. Accéder à la salle de sécurité. Ok. Donc c'est. Ça s'écrit trop petit. D et E. Alors D et E. Et donc E, comment je rentre là-dedans? Monter. Une trappe ou un truc comme ça là. Ça c'est, j'aime pas quand je sais pas rentrer dans un truc. J'aimerais bien savoir. Et là je trouve pas. On peut pas péter ça, non. Faux plafond, on peut pas rentrer par faux plafond. A priori non. Alors attention en tombant parce que j'ai pas envie de me vautrer comme une merde. Y'a quoi? Y'a. Ah attends, y'a peut-être des consoles à ouvrir, à accéder de l'extérieur. C'est casse-gueule comme saut, hein. Ça me plaît pas des masses, hein. Ça me plaît pas des masses. Pas de
interactions possibles. En même temps, est-ce que j'ai vraiment besoin? Mais c'est un objectif facultatif, bon... J'ai pas envie de tenter le saut, mais... Mais quand même si. Bon, voilà, ça y est. Je sais, c'est passé. Le dossier. Un petit dossier. Merde, je l'ai pas repris. Qu'est-ce que c'est que ça? Bouclier, maintenir, c'est quoi? C'est des trucs à impulsion. Combien il m'en reste? Il me reste 3 vraies grenades. Non, je vais pas faire ça. Hop. Voilà. Maintenant, il va falloir ressortir. Encore une autre histoire. C'est peut-être en sortant que je vais me vautrer. Ah non. C'est pas... Ah si, voilà. C'était peut-être ça qu'il fallait que je fasse. Le voilà, la voilà la console qui me permet de passer, je pense. Allez. C'est donc ça. Et donc ça doit être la même de l'autre côté. Ça doit être la même de l'autre côté. J'imagine. Alors ne pas tomber n'importe où. Voilà. Il doit y avoir peut-être une console. Ah bah voilà, c'est ouvert. Il doit y avoir une console aussi, j'imagine, pour accéder à la partie haute de l'autre côté. C'est pas nécessaire d'y aller, mais juste par curiosité, je veux juste vérifier. On y va, on court, on n'est jamais fatigué, on court. Ah bah non, ça a ouvert toutes les portes, donc c'est bien ça. Ok, donc maintenir, ça c'est la Gatling, et donc à quoi sert cette échelle? Alors il n'y a pas vraiment de surprise, on trouve jamais vraiment de gros items planqués, voilà, c'est un peu histoire de dire quoi. Le méga saut, ouais, j'ai encore failli faire une grosse bêtise, parce que là je pense que, je sais pas si j'ai eu le point de contrôle depuis tout à l'heure. En tout cas, avançons, alors... Si on avance, c'est par où? C'est par là. Et donc on y va. Et nous allons appuyer sur cette console. C'est parti. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah ok, ça a ouvert le centre. Alors, où sont-ils? Ils sont là. Très bien. Bravo le veau. Voilà, et d'un. Deuxième par ici. Te planque pas. Te planque pas, t'es mort de toute façon. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Pas l'impression, hein. Je pense qu'il va falloir tomber dans le trou. Hein, y a pas l'autre embrouille. Je pense qu'il n'y a pas l'autre échappatoire. Ouais, c'est bien ça. Ah, oh, puis en plus, c'est même pas moi qui le fais. Ça se fait tout seul. J'ai franchi la trappe. Bien. Ici 1-8. J'ai atteint la section de maintenance. Je passe en phase 2. Phase 2. C'est un truc qui clignote, ça. Ramasser le journal audio. Le virus est conçu en spécificité génétique. Il était initialement censé s'attaquer uniquement au génome Elgast. Cependant, nos docteurs, avec l'aide de Massar, ont pu adapter le codage pour le modifier et n'attaquer que les vectants. Cela a créé un débat parmi mes collègues. Il semblerait que nos génomes ne soient pas aussi différents que les Elgans le pensent. Génétiquement, nous sommes presque identiques aux vectants. Même après des décennies d'évolution, nous avons encore beaucoup de points communs. Est-ce que je peux le pirater? Non. Enfin, je le bute. Ouais, je le bute. Ça me vient que j'avais un bruit un peu bizarre au-dessus de moi, là, genre d'un gros moustique. C'était ça. C'était bien un gros moustique. Donc il y a la console, et mis à part ça, il n'y a rien d'autre. Et bah écoutez, on va pirater la console, et nous allons passer à travers cette porte. Après un petit scan des familles,
Les petits drones. Ah, d'accord, c'est grand par là, ok. Où sont ces sujets? Je n'aime pas qu'on m'ignore. Ok. Continuerai à parler jusqu'à ce qu'on me réponde. Oh non, n'en fais pas ça, s'il te plaît. Continue pas à parler jusqu'à ce qu'on. Parce que autrement, tu vas être pénible. On sent la nana pénible. C'est la lutte finale. Alors, ça se passe par où? Parce que, ah, il y a des ponts à... Ah, il y a du monde là-bas. Donc là, il y a une console. Mais il n'y a pas d'autres consoles sur les trois autres ponts? Non, j'en vois pas là. Ça, c'est les munitions. Là, il n'y en a pas non plus. Donc c'est forcément là où il y a le mec. Ok. Eh bien, nous allons le buter. Hop, on va faire ça. On va faire ça. Merde, faut que je recharge. T'es où? T'es là. Enfin, t'étais là. Accéder. Ils offrent pas beaucoup de résistance quand même. C'est un jeu facile, excusez-moi de le dire. Je meurs certes, mais... Une fois qu'on a compris où ils étaient, qu'on utilise... Ah! Voilà! Là on est bien! Elle a un petit fusil à pompe. On va pouvoir défourailler des familles. Alors, combien j'ai de munitions là-dedans? 10 plus 7, ok. Bon, avançons. Mais alors, prenons le fusil à pompe, parce que là, on sera bien mieux. Ok, il m'a vu. Alors attends, j'ai pas envie de me viander comme une merde. Voilà. Ah, il est où? Il est là. Excusez-moi. T'es où toi? Merde, j'ai attiré. Non, j'ai pas attiré. Bon bah écoute, j'ai pas attiré. Personne ne vient. Ils sont tous là quand même. Voilà. D'autres amateurs? Allez, viens. Reviens là, n'aie pas peur. Oh là là là. Putain. Ils sont pas censés ramener des renforts là. Ils sont tous là-haut. Là, on les voit d'ailleurs avec le scan. Je dis ça, je vais crever comme une merde. Ok. C'est une tourelle en fait. Il pose des tourelles, enfoiré là. Voilà. Et ça s'auto-détruit au bout d'un moment. Ok. Toujours pas d'autres amateurs. Il me reste combien de munitions là-dessus? Pas des masses. Malheureusement. Bon, j'aurais peut-être pu sauter quand même. Hein. Ça serait aller plus vite. Est-ce qu'ils vont m'ordonner? Pas sûr. Tiens, là il y a des trucs là. Adrénaline. 73 toujours. Je casse tout. Vu que c'est pas une arme, elle gaste. Ah, ça y est. Plus 95. Et bon, on est bien. Pas de journal audio, rien. Non. C'est tout ce bazar là. Des grenades, ok. Et là, il y a full. Il y a full. Mais bon, ça va être. Ça devrait le faire.
Ne pouvons-nous pas peut-être passer par le dessus, non? Parce que là, je croyais qu'on pouvait monter là quand même, là, non? Oui, on peut monter. Donc on va voir si on peut pas... On peut passer par là. Plutôt. D'ailleurs, regardez s'il n'y a pas quelque chose qui traîne aussi. Non, rien d'intéressant. Je cherche vraiment pas les comics et les trucs comme ça, j'ai pas que ça à foutre. Plus ça va, plus ce jeu m'emmerde, parce qu'il se passe pas grand chose. Donc Et là, ils ont plus de bouclier. Merde. Ok. Vous êtes en dessous, vous. Et moi, je suis passé par-dessus. Ok. Là, c'est assez joli à l'extérieur. Donc le jeu est joli, hein. Oui, ça certes. Certes, c'est joli. Mais ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas. Est-ce qu'on peut les contourner? C'est intéressant de les contourner. Ah merde, il y a du monde là-bas aussi. Et puis pas mal, ils sont nombreux, c'est bien. Hop. T'as raison, approche. Viens ici. Voilà. Il est pas mort. J'ai cru qu'il aurait mouru. Merde, je peux passer à droite. Et si je fais adrénaline et que je fonce dans le tas? Il est mort. Oui. Oui, il est mort. Bon, on va aller buter quand même le mec du bas là. On va pas les laisser comme ça. Ils sont nombreux en plus. Hop. Je vais ramasser l'adrénaline vu que j'ai utilisé. Oh, quoi que je sais même pas. Je vais peut-être les laisser. Est-ce qu'ils vont me revenir dans la gueule? C'est ça la question en fait. C'est même pas sûr. Parce que on doit aller par où là? Bon, déjà, est-ce qu'on peut descendre? Je me méfie de ne pas tomber comme une merde, je ne sais où, parce que c'est quand même très casse-gueule ici. Et il suffit que tu fasses un faux pas, t'es mort. C'est presque plus dangereux que. Ah, voilà. Allez, viens des. Merde, je l'ai raté. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de plutôt faire ça. Ça. Putain, pourquoi j'ai pas le bouclier là? Voilà. Et balancer une grenade là. Combien il en reste? 3.
Bien, vous étiez bien alignés là. Bien évité. Oula, je suis mal. Voilà. Bon, là par contre, je vais utiliser mon adrénaline. Voilà. Et on va se barrer. Eh. Putain, il y en a un deuxième. Baisse-toi. La grenade dans mon cul. Et sur la tête. Voilà. Bon. Est-ce que j'en suis au niveau mission 118. Ouais, bon, je suis bien, quoi. Là, j'ai buté tout le monde. Y a pas de soucis. Je repars à dans un... Voilà, j'ai rien perdu du tout, quoi. J'ai utilisé une fois l'adrénaline, histoire de dire. Mais alors, par contre, où dois-je aller? J'ai pas repéré mon petit... S'infiltrer dans la cime. Trouver Massar et l'arme. Trouver Massar. Trouver Massar. Ok. Où est-ce qu'elle est Massar? Utilisons l'échelle. Voilà. Ça se trouve, on n'a pas d'indication sur l'endroit où faut aller cette fois-ci. Parce que je ne vois pas le petit témoin d'habitude qui m'indique la direction. Donc ça voudrait pouvoir dire que il n'y a pas de direction. Et qu'il faille se démerder tout seul. C'est fort possible. Attends, encore de la munition. Encore de la munition ici. Ou encore c'est un terminal à la con que j'ai pas vu. Et qu'il faut pirater, mais bien sûr, comme c'est tout petit et qu'on sait pas où c'est. Donc là, je reviens là où j'étais tout à l'heure. Donc, ce n'est pas par ici. Trouver Massar. C'est pas des consoles à... Tu vas voir que c'est une histoire de console encore à... pirater, ça se trouve. Non, c'est pas là. Je regarde l'icône du drone, mais il ne me dit rien. On va quand même pas chercher sur internet, ce serait dommage. Allez. Là, nous sommes sur l'étage du dessus. Et là, non. Trouver. Non, il n'y a pas. Hein. Alors, quelle est la zone que je n'ai pas vue? J'ai zappé un endroit ou quoi? C'est pas par là. Là, il n'y a pas de porte. Hein. Non, il n'y a pas de porte. Ah! C'est là. J'avais pas vu. Piraton. Comment on est derrière cette porte? Rien pour le moment. Salut Massar. Là, ça tire dans toute sa carlingue et... Je peux pas me concentrer quand on m'interrompt. J'ai trouvé ma sœur. Bien sûr, 8. Sécurise la cible. Des traces de l'arme. Ça
échec. Vous arrivez trop tard. Je retrouverai tout en bas. Avec lui. Ça dépasse de loin ce qu'on a aperçu sur le Cassandra. J'essaie d'affiner la puissance. J'ai hâte de pouvoir la tester à une plus grande échelle. Jusqu'à présent, je n'ai utilisé que les simulations. Et mon imagination. Je vois que vous êtes sous le choc. Mais vous n'avez pas ouvert les yeux dans ces détails. C'est si élégant. C'est si beau. T'es une grande malade, toi. Ils ont dû s'adapter. Survivre en serrant les dents. Nous ne faisons qu'empêcher leur évolution. Ils n'atteindront jamais leur potentiel tant que vous existerez. Vous allez tous mourir. Chef, l'armée opérationnelle se trouve à la surface. Vous allez tous mourir, qu'elle nous fait la connasse. Ils sont revenus. Oh la vache. Oh la vache. Elle s'est barrée. Elle m'a laissé en chien. Descendre. Il est pas mort, hein. Voilà. D'où la facilité du scan, quoi. Voilà. Il suffit juste de scanner et puis hop, on sait où c'est, quoi. Merde, il y a encore du monde. Il était pas... Ah, il y en a trois autres. Alors, j'ai bien envie de leur balancer une autre grenade. Merde, ils ont bougé. Ah, ça fait mal. Alors... Ah, putain, foiré. Allez, un coup d'adrénaline, j'ai pas envie de me retaper ça. Voilà. Et là, ils sont de part et d'autre, ces enculés. Donc. Allez. Oh la vache. Une position pas très agréable avec ce surplomb de ma... Oh la vache, je l'ai pris en pleine gueule. Alors, on va essayer de... Putain, ils sont pas morts. J'ai bien envie de monter. Je vais crever avant. Tous les trois là. Putain, ils sont pas morts. Edin, enfin, je crois, pas sûr. Si, c'est bon. Fais pareil, t'as fait pareil. Ok, plus qu'un. Tu vas quoi me faire là quoi? Tu vas rien me faire du tout.
Non, pas monter. Sérieux? Pas du tout agréable cette position, hein. Vraiment pas agréable du tout. Te planque pas. Ah mais d'accord, ça aurait pu durer des heures. Ramassons le dossier au passage. Ok. D'accord, je peux tirer donc cette fois-ci. Première fois que je peux tirer en apesanteur, c'est... Plus ça va, plus le jeu m'énerve, je sais pas pourquoi. C'est tout, c'est mou, c'est pas agréable, c'est... Ok. Le conteneur il est où? Ça y est. Ah, une boulette c'est bon. Je sais pas ce que c'est comme arme mais c'est très efficace. Très efficace. Hein. Il va y avoir un deuxième conteneur ou quoi? Il y a des petites bestioles. Si, voilà le deuxième conteneur. Ce qui est là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de munitions, j'en vois pas. C'est juste. Oui, ça va, c'est bon. Tu vas être safe. Avec l'arme que j'ai là, franchement, c'est easy. Hein. D'autres ennemis ou quoi? Rien derrière en tout cas.
Ah, on voit là devant quelques-uns. Voilà. Sérieux quoi, sérieux. Ah, un conteneur. Voilà, je vise mal là par contre. Ah. Oh, heureusement, j'avais pas vu l'autre. Ça y est, c'est bon. Des ennemis, pas d'ennemis. Pas d'ennemis derrière. Bon. Ça n'empêche pas d'avancer a priori. Pas d'ennemis derrière. C'est bon. Très bien. J'espère que ça va pas bugger cette histoire de conteneur là. Il peut y avoir un problème de collision. Non, ça a l'air d'aller. Conteneur qui se met. Tiens, moi je vais devoir sûrement atterrir là. Ouais, je suis en train. Hop. Ramasser un article. Nous avons le temps de lire le journal, hein. Nouvelle liberté, mort du chef de la Black End. Et donc l'article qui... Ah oui, mais c'est les articles qui mettent trop à plomb. Ah là là, ça m'énerve. Non, mais je m'énerve, je n'ai plus envie de connaître le background, tout ça. Hein, ça suffit. Ça suffit de se foutre de notre gueule. Ça y est, dès qu'on fait un jeu joli... Ça...